Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec beaucoup de mouvements au final cette semaine et surtout dans la dernière partie. Alors, je vous ai laissé ici sur une impression de rebond qui restait technique. Entre temps, ce que l'on a eu, ici une petite rechute. Et puis, on a commencé à imprimer ici un mouvement de remontée. Donc, mercredi, on avait quelque chose qui restait encore une fois technique. On a eu un beau signal qui a commencé à se mettre en place hier. Et donc, une poursuite donc, sur cette journée qui a été très volatile aussi sur le Forex. Je vous invite d'ailleurs à consulter l'analyse technique Forex donc, de ce soir. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette configuration pour vous montrer que on est resté quand même très technique puisque sur cette phase on est venu ici donc marquer la zone de retracement 50-61-8, c'est la zone que nous avons ici donc sur le point bas de la consolidation. Ensuite on a commencé à rebondir et puis à partir du moment où on a retrouvé de la volatilité, eh bien on a eu ici le 38-2 qui est devenu résistance, ici le 23-6 qui a été résistance puis qui est devenu support, et donc on a rythmé le signal d'inversion ici de la dynamique en respectant les retracements de Fibonacci. On voit d'ailleurs que le 38.2 ici a servi de support hier et on voit que malgré justement cet engouement, on reste quand même sur des niveaux qui sont assez simplement quantifiables, en tout cas repérables par ces retracements de Fibonacci. Donc nous avons un signal de reprise relativement fort. Ce soir, le CAC 40 clôture à 5665.48 et regagne 1,73% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc la configuration, elle est intéressante puisque on avait des cours qui évoluaient ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu la cassure hier et on a donc la validation avec la poursuite. Et puis, si on regarde les volumes, eh bien, nous avons une configuration qui est intéressante puisque nous avons donc les histogrammes du MACD qui valident ici le retournement de la dynamique. On va bientôt repasser ici dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, reste neutre. On est dans la zone 40-60, qui est vraiment la zone de neutralité absolue. Mais lorsque l'on matérialisait un petit peu cette phase de baisse, eh bien on peut voir ici que cette dynamique elle est désormais cassée. Donc, on a qui plus est un signal important, c'est que nous avons des volumes largement supérieurs à la moyenne sur la séance du jour, avec cette bougie ici qui a une forte conviction. Et c'est important puisque sur la phase de baisse, on avait des volumes supérieurs ici sur les bougies baissières, donc ce qui pouvait nous donner un signal de retournement de tendance et donc de début de dynamique baissière forte. Et là, on a le pendant puisqu'on a une bougie avec une belle conviction et donc des volumes supérieurs à la moyenne. On vient attaquer ici la zone des 5665 et donc on clôture proche des points hauts historiques du CAC 40 si on prend le soin de réintégrer les dividendes. Donc on vient ici d'effacer la semaine dernière qui était baissière. On a quasiment ici effacé cette baisse, sachant que par rapport à la clôture du 30 que nous avions ici 30 septembre, on vient clôturer ce soir quasiment sur les mêmes niveaux. Donc ça montre que l'on revient ici sur des perspectives plutôt haussières. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur les marchés en hebdomadaire, comme nous sommes vendredi. Et ce qui est intéressant ici sur cette configuration, c'est l'alternance de bougies. La semaine dernière, je vous disais que même si on n'avait pas touché ici la bande de Bollinger supérieure, le fait que l'on revienne ici se poser sur la moyenne mobile 20 exponentielle montrait que bon, on avait un affaiblissement court terme, mais que d'un point de vue moyen terme, le signal n'était pas trop effrayant. Cette semaine, on confirme cette configuration, on retrouve la zone ici des 5442 comme zone de support, et donc on revient ici sur les niveaux tels qu'ils étaient précédemment, d'accord, avant ici cette bougie. Et je dirais que même si on se concentre ici sur ces deux bougies, on a ouverture et clôture qui sont
au-delà des ouvertures et clôtures de la précédente bougie, hein, si on enlève ici les ombres. Et la puissance ici, elle est relativement intéressante dans le sens où elle semble plus orientée vers le haut. On n'a pas eu de nouveaux points bas significatifs en hebdomadaire cette semaine. Certes, on n'a pas eu de nouveau plus haut, mais on clôture quand même proche de ces niveaux. Et l'impression ici semble bien haussière. Donc on valide ici le fait que l'on est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on rebondit. Donc d'un point de vue hebdomadaire, c'est assez intéressant. Du point de vue des indicateurs, on a donc des histogrammes du MACD qui étaient relativement neutres. Donc l'histogramme ici repasse en course haussière. On a un RSI qui reste neutre lui aussi. On n'a pas énormément d'indications sur le RSI en hebdomadaire. Et ça se comprend parfaitement puisque si on regarde d'un point de vue global, on a tout simplement ici des points bas qui viennent ici, des points hauts qui viennent à peu près par là. Ça ressemble quasiment ici à une zone de range. Et le fait ici que l'on vienne sur la zone médiane ici, symbolisée par 5442, et que l'on rebondisse, eh bien ne change rien au fait que l'on a un range moyen terme actuellement. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, eh bien, c'est bien évidemment si on continue à monter la rupture ici des 5700 points, et donc la poursuite du mouvement en direction des 5773 points. L'invalidation de cette anticipation plutôt haussière serait donc une cassure baissière ici de la zone des 5537 points. Alors maintenant, comment aborder cette séance de lundi prochain? On est clairement ici sur ce qui pourrait être une rampe de lancement. Hein. On le voit bien, on a une dynamique haussière ici qui se construit et puis qui gagne en puissance. Donc clairement, je pense qu'on est parti ici pour venir tester ici cette zone des 5706 points. D'un point de vue technique, on voit ici qu'on aurait presque une configuration ici en anse avec TAS. Alors pour l'instant, je ne validerai pas cette configuration parce qu'on manque un petit peu de progressivité ici dans la descente hein, de la TAS. Bon, on a un tracé qui n'est pas très très propre, mais c'est surtout pour montrer que cette zone ici, hein, des 5700 points, voire légèrement en dessous, sera bien un signal important si cette zone est cassée, puisqu'on sait on a échoué deux fois sous cette zone récemment. Si on revient dessus rapidement après ici un début de dynamique haussière, puisque avant on était un peu plus sur un rebond, là la dynamique commence à gagner en force et donc on est déjà très proche des points hauts significatifs, ça sera un signal assez important vers une cassure et une poursuite donc du mouvement comme je vous l'indiquais sur la zone des 5773 points. Donc pour la semaine prochaine, les niveaux à surveiller, tout simplement le fait que la zone ici des 5661 points s'impose en tant que support. Certes, la cassure ici est petite, mais si d'ores et déjà on retrouve ce niveau ici comme support, ça serait assez intéressant. Il n'a jamais été validé comme support auparavant, puisque lors de son dernier franchissement, ici, on l'avait enfoncé, on était reparti au-dessus, mais au premier test, boum, on était repassé en dessous. Ensuite, deuxième tentative de franchissement, on marque un gap haussier et plaf, on repasse en dessous. Donc là, on revient ici clôturé au-dessus, à voir maintenant si la suite eh bien, donnera la même chose, auquel cas eh bien, cette résistance ici sera finalement plus forte que ce que l'on pensait, ou alors si on parvient à rester au-delà et donc à aller clôturer par exemple au-delà des 5706 points. Donc premier élément qui pourrait être intéressant à observer, c'est la cassure éventuelle des 5661. Et puis, à la baisse, eh bien, on voit ici qu'on a une zone hein, secondaire qui s'est dessinée sur ces niveaux approximatifs ici des 5570 points, la zone où sera a priori la moyenne mobile 20 exponentielle la semaine prochaine, eh bien ça sera cette zone-là qu'il faudra surveiller. C'est le plus bas de la bougie de vendredi, c'est les niveaux sur lesquels évoluent les moyennes mobiles actuellement. Si on vient ici sur cette zone 5570, 5537, attention de ne pas y revenir trop vite. Malgré tout, depuis que l'on est repassé au-dessus de cette zone, eh bien, il faudra attendre une cassure pour parler d'invalidation de construction ici qui va plutôt dans le sens d'une cassure haussière et donc d'une poursuite de la dynamique moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue purement statistique, on est sur une configuration qui ne donne pas énormément de tendance. On a un nombre d'occurrences assez important, donc la statistique, on peut la construire. Par contre, c'est 51% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture de demain, donc très équilibré. 51% de hausse, mais par contre avec un potentiel plutôt négatif. C'est-à-dire qu'on aurait a priori plus de puissance à la baisse, mais plus de probabilité à la hausse. Donc voilà, c'est très partagé et cela semble se confirmer que c'est partagé sur les jours suivants.
Donc, a priori, là, d'un point de vue statistique, pas une aide énorme, hein, sur cette configuration. Je vous rappelle que l'analyse technique suivie des études statistiques seront dévoilées conjointement sur l'analyse écrite du CAC 40 dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.